1, 2, 3, on y va! Action! Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait un petit peu longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça doit faire à peu près 3 semaines, peut-être un petit peu plus. Parce que pour celles qui me suivent sur Instagram et sur Facebook, entre-temps, je vous ai ouvert le colis de la marque Beautylux et je suis devenue ambassadrice de leur marque. Franchement, c'est une super marque. Et du coup, j'ai été contactée et je suis super contente de faire partie de l'équipe des ambassadrices France. Je me suis dit que j'allais vous faire découvrir les produits. Donc, les produits que j'ai, qu'on a ouverts ensemble la dernière fois, et les produits que je vais avoir au fur et à mesure. Voilà, donc sans plus attendre, on va y aller parce que je vais vous présenter le premier. Allez, on y va. Donc voilà, les produits Beautylux sont comme ça. Ils sont trop beaux, les packagings sont magnifiques. Voilà, donc je continue à le dire, ils respectent les normes européennes, ils sont inscrits au CPNP. Oui, au CPNP. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Les filles, arrêtez de me dire que ce ne sont pas des produits qu'on peut utiliser en France. C'est pas vrai. C'est pas parce que c'est vendu sur AliExpress que ça ne peut pas être vendu en France. Voilà. Enlevez-vous ça de la tête, c'est pas vrai. Il y a des produits, oui, mais des produits, non. Sans plus attendre, je vais vous montrer de quelle couleur il s'agit. Donc, c'est celui-là, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Ce rouge à paillettes. Donc, c'est le numéro 141. Voilà. Donc, on va commencer avec celui-là. Donc, pour commencer, comme d'habitude, on dépolie sa capsule. Donc, on va le faire ensemble. Voilà, une fois que c'est dépoli, on dépoussière. Et on va passer une couche de base. Donc, pour la base, j'ai pris la Rubber Base. Elle est géniale. Voilà, c'est une de mes chouchous. Je l'utilise pour toutes les... à chaque fois, je dois utiliser une base, quoi, quasiment. J'utilise celle-là ou alors j'utilise celle-ci. La Rubber Base Tic. Elle est... vous voyez, hein, le pot, il est tout sale. Elles sont vraiment, super. Celle-là est très épaisse. Je vais vous les montrer. Je vous les représenterai dans une prochaine vidéo. Mais... pour que vous voyez vite fait, celle-là est super épaisse et elle tient vachement bien. J'ai des clientes qui travaillent en restauration. Quand je leur fais un gainage en semi-permanent, je leur mets celle-là. Ça ne bouge pas de 3 semaines. Donc voilà. Et celle-là, elle est un peu plus liquide. Mais voilà, elle est vraiment super aussi, quoi. Y a rien à dire. Elles sont toutes les deux géniales. Voilà. Donc, je vais passer un coup de Rubber Base. Donc, en couche fine, j'ai pas besoin d'en mettre des tonnes. Sur mon ongle. Voilà. Et je le mets à catalyser 60 secondes.
Donc voilà, les 60 secondes sont passées, ma rhubarbase est catalysée, vous voyez. Voilà, donc je vais ouvrir mon joli pailleté rouge, donc le 141, hein, je vous le redis, regardez-moi cette merveille. Est-ce que vous voyez ces paillettes? Attendez, je vais rapprocher la lumière. Il est juste magnifique. J'ai fait déjà une pause en semi-permanent avec. Si vous voulez aller voir sur mon Facebook ou mon Instagram, elle y est. Et vraiment, il est parfait. Voilà, donc j'en prends un petit peu. Donc toujours pareil, hein, il est un peu plus épais que les autres, celui-là par contre. Ben, c'est normal, hein, c'est un pailleté, donc... il faut en prendre, mais quand même pas trop. Voilà. On dépose au milieu. Et après, on met bien partout. Donc, on n'appuie pas. Parce que si on appuie, ben forcément, les paillettes, elles s'en vont. Donc, vous voyez qu'en une couche, déjà, il est... il est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Donc là, juste j'essaye de mettre les paillettes comme ça me plaît. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Et je le mets à catalyser. Donc 60 secondes. Regardez comme il est beau. Donc là, il n'est pas catalysé encore. Hein. Voilà. Regardez comme il est beau. Il est magnifique. Je le mets à catalyser 60 secondes et je reviens mettre la deuxième couche. Donc voilà. Mon voilier rouge catalysé, 60 secondes, sous lampe UV LED. Il est magnifique. Je vais passer une deuxième couche pour voir, hein, parce que quand même, il a des petits endroits où ça demande une deuxième couche. Mais moi, je l'aime bien en une couche aussi. Hein, je trouve que vraiment, il est joli. Donc, en deuxième couche, voilà. Donc là, j'en mets encore moins que la première fois parce que c'est vraiment juste pour combler là où ça manque un petit peu. Voilà, j'appuie pas, je remonte, voilà, je place mes paillettes, hein, encore une fois, là où ça manque un peu de paillettes. Voilà. Regardez comme il est beau. Il n'est pas magnifique. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le trouvez et si ça vous plaît ce genre de vidéo pour voir les produits de plus près, parce que là je pensais vous faire une série un peu avec tout ça, avec tous ces produits. Donc voilà, regardez comme il est magnifique. Bon, je le remets à catalyser. Et on se retrouve dans 60 secondes. Donc voilà, après 60 secondes, comme il est catalysé, il est magnifique. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus de manque nulle part. Voilà. Et ça brille bien, c'est magnifique. Donc, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas de top coat. J'en ai pas commandé, c'est bizarre de moi. Donc, je vais mettre une finition quelconque. Hein. Enfin, c'est la glossy de chez Victoria Vine.
que j'ai. Et je commanderai un top code vite fait pour faire d'autres vidéos. Voilà. J'adore. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Ça fait ressortir les paillettes, c'est magnifique. Donc je borde bien partout. Les filles qui commencent, si vous regardez ma vidéo, prenez du temps pour mettre votre top coat. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est une c'est un des moments comment dire? Oui, c'est un des moments les plus importants de la pose aussi. On pense que le limage, tout ça, alors oui, hein, le limage, tout ça, c'est très important, mais mettre le top coat, c'est très très important aussi. Vous voyez, avoir ce fil de lumière droit, pourtant c'est des paillettes dessous, donc c'est clairement pas droit. Donc bon, on voit un peu zigzag, c'est normal, hein. Mais pensez toujours à prendre votre temps pour mettre le top coat. C'est la finition, c'est ce qu'on va voir, la première chose qu'on va voir sur votre pose. Allez, je le mets à catalyser 60 secondes et je viens vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà. Donc c'est le gel polish numéro 141, pardon. Et voilà ce qui donne. Il est juste magnifique. Maintenant, je vais aller dehors, comme ça je vais vous montrer au soleil ce que ça donne. Et après, je vous dirai au revoir. Donc voilà, je suis à l'extérieur. Voilà ce que ça donne. Il est juste terrible, mais vraiment, il est magnifique. Voilà, je sais pas quoi vous dire tellement il est beau. Voilà, voilà. J'espère qu'il vous plaît. Donc n'oubliez pas, hein, c'est le numéro 141 de chez Beauty Luxe. Et avec le code O majuscule D minuscule 06, vous pouvez avoir, c'est un petit code promo pour avoir un petit quelque chose. Voilà, c'est pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un petit quelque chose. Voilà. Donc, je vous laisse sur ce et je vous dis à bientôt pour une nouvelle couleur, une nouvelle vidéo et puis un tour de nouveaux tutos. Je vous fais des bisous et à bientôt.